Et bonjour à tous, c'est Larkling et aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura plu et oh mince, ils ont tous quitté la vidéo. Ah là, j'ai pas été assez rapide. Encore une vidéo trop longue. Ah, c'est pas possible ça. Oh mais il reste plus que nous deux, Mika. Bon, alors, où en étions-nous? Eh ben, précédemment, j'avais débloqué le nouveau personnage. Est-ce que je dis ce personnage ou je garde la surprise? Ah bah on le voit là, et voilà, c'est Medoli. J'ai débloqué Medoli dans l'univers Wind Waker, et donc là j'ai le choix entre quelques missions. Voilà, celui-là je l'avais fait parce que j'ai la note. Celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi. Ah, celui-là c'est bloqué. Voilà, et ben... Ah, c'est bloqué par le mur évidemment. Alors j'ai le choix entre cette mission, une toute nouvelle mission que j'ai jamais faite encore. Compétition, la course de vitesse. Alors là, je sais pas du tout ce que ça peut donner. Ou sinon, j'ai aussi ça. Règle des mers, objet d'attaque interdit. Éliminer l'armée des sphères. Ou alors, on se fait un petit squeeze. Restreint à Tingle. Et voilà, je suis restreint. Ah, j'ai pas de restriction là. Ah bah, je vais pouvoir montrer mes Medoli. Ah bah, ça va alors, j'ai eu peur. J'ai cru que j'étais restreint de partout, mais non. Bon, déjà, on va commencer par celui-là. On va essayer de se dépêcher. Bon, évidemment, j'ai pas d'objet donc je peux pas explorer. Malheureusement, pour débloquer les nouvelles tenues. Hein? Hein, Tingle? À toi. Je sais que tu peux le faire. Ah, qu'est-ce qu'il y a ici? Eh ben, y'a rien du tout. Voilà. Voilà, on va prendre ça. On va prendre. Oh là là, elle est ténébreuse cette fée, hein. Mon dieu, ça fait peur. Non, on va prendre elle. Allez. Ah, c'est un petit peu trop long là. Hein, allez, c'est parti pour le nouveau quiz. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Déjà. Et t'as fini de tortiller du cul comme ça, Tingle, t'as pas honte? Franchement, hein, à ton âge. Mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Alors, éliminer l'ennemi vulnérable aux bombes. Ah mais tiens, ça ressemble au genre de mission que j'ai déjà fait, ça. On s'énerve, on s'énerve, on s'énerve, on s'énerve. Tiens, prends ça. Et bam. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ah, j'ai éliminé le bon ennemi, évidemment. Je suis trop fort, je suis trop fort. Allez, ouvre les portes. On se dépêche. Allez, go, 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 go. Écoutez-moi ce bruit. Le bruit que fait Tingle. C'est magnifique. Je pense que je devrais faire pareil, moi. D'ailleurs, je suis en train d'acheter les costumes, hein, faire pareil, hein, quand... Sauf que moi, je suis en vélo, donc voilà, j'essaye de faire pareil. Les gens me regardent bizarrement après en ville, mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est rigolo, je trouve. Au moins, je sors du commun, voilà. Alors, éliminer l'ennemi vulnérable au boomerang. C'est qui est vulnérable au boomerang? On a fait une mission déjà qui ressemblait beaucoup à ce type de mission, mais évidemment c'est pas les mêmes ennemis, hein, je pense. Aïe! C'est qui? Ah, c'est lui qui est vulnérable. On se calme, on se calme! Couché! Attention de pas faire mal à... Attention de pas faire mal à l'autre à côté. Mais voilà, tout est bon dans le jambon. Allez, ouvre les portes, on y va, on y va, on y va, on y va. Allez, gaz, gaz, gaz. C'est joli toutes ces couleurs qu'il lâche derrière lui. Moi aussi j'aimerais avoir des paillettes à l'infini. Ah, troisième problème. Alors, éliminer l'ennemi vulnérable au marteau. Aïe aïe aïe, faut avoir une bonne vue, hein. Franchement. Bon bah c'est lui qui est vulnérable au marteau.
Aïe. Tu aimes les ballons. Ils sont de toutes les couleurs. Et flottent. Ils flottent tous. Et voilà, c'est la fin de la mission. Regardez-moi cette danse de la victoire. Ah, c'est magnifique. Franchement, là, y a rien à dire, c'est magnifique. Oh, la victoire lui monte à la tête. Et voilà, DA partout. Eh oui. Fingal est trop fort. Tu peux pas test. Hein? C'est quoi ça? Ah bah oui, évidemment, il y a des murs, donc ça a rien débloqué. J'ai juste eu ça, mais bon. Eh bien, tant pis. Hein, c'est la tristesse. Bon alors, éliminer l'armée des sphères. Oh là là, je connais pas du tout cette mission. On va essayer de faire son mieux, hein? Allez, enfin on va pouvoir tester le nouveau personnage et ça fait vraiment plaisir. Alors déjà voilà, on la sélectionne. Ah mais non mais je veux voir, je veux augmenter un minimum, c'est... Ah mais j'avais déjà fait, c'est vrai, en off. Autant pour moi. Allez, on va prendre elle parce que c'est ma préférée. C'est ma préférée, ouais. Ben, on va prendre Exanto. Peut-être pas parce que niveau 10, voilà. Pour être sûr de gagner, on va prendre Link quand même. Voilà, avec l'épée de légende, hein. Forcément, hein. Allez, on va prendre Clémence, Lestria. Voilà. Et on va prendre elle. Et on va prendre Tonnerre. Tonnette, oui, je sais, Tonnette, oh là là, je rigolais. On se calme, Mick, on se calme. C'est pas un moment de jouer de l'Ocarina, hein. Alors, champ de bataille, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a un deuxième Link, ah d'accord. Ah d'accord. Un coffre ici. Très bien. On est contre Volga et les Dark Nuts et Groblin. Du Groblin. Et chasseur. Chasseur de fées. Oh là là, chasseur de fées. Alors là, je crois qu'il vaut mieux se méfier de ce gars-là, hein. D'accord, il y a un coffre là et un coffre là. Allez. On va arrêter de perdre du temps, parce que sinon ils vont s'endormir. Ah ouais. Ah ouais, eh, pas mal du tout. Aïe. Bon. Allez. Alors là, apparemment, il faut prendre les bases. C'est la base, hein, de la mission. Les cocottes demandent des renforts et des cocottes. Protéger les cocottes et éliminer l'ennemi. Ils sont où les cocottes? Ils sont où les cocottes? Attends, il y avait un cercle qui désigne quelque chose et maintenant ça a disparu. Bon, allez. Alors, on va prendre cette base, hein. Ah, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. On va plutôt libérer la fée bleue, hein. Ah, je vois qu'elle a une jauge orange, hein. Ah.
Aïe aïe aïe. Il fait pourtant une superbe attaque, mais je finis à terre. Non! On se calme. Eh oui, j'ai pas le droit d'utiliser les objets donc. Ah. C'est la première fois que je fais une mission où je suis restreint à quelque chose au niveau des objets. Enfin, je crois. Hein. Bon, allez. Oui, on va l'oublier un petit peu. Je suis où là? Ah, je suis là. Tiens. On va donner des ordres à Link. On va lui demander de me suivre. Voilà. Elle aussi. Parce que, comme on dit, l'union fait la force. Ah, c'est pas le bon fort. Voilà, bon, elle est au niveau 10. J'ai pas fait gaffe si j'avais commencé niveau 10. Mais... Ouais, pas mal son attaque, pas mal. Allez, on va essayer de les pêcher. Là on perd des cœurs un peu quand même. Hein. Il est où le boss? Aïe! C'était quoi cette attaque en traître? Voilà. Non, tu me laisses tranquille. Voilà. Maintenant j'ai pris cette base. Eh ben, j'ai pas eu de fée. Bon, très bien, très bien. Hein, on y va, on s'en va, on s'en va. Allez. Allez, là où la fée, là-bas, là. C'est maintenant qu'il me le montre. Aïe, 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 aïe. Que je récupère la fée pour briser la malédiction dans l'autre base. Ah, voilà. Alors, le chef, il est où? Ce cachou! Ce cachou! Ah, la tête qui tourne! Voilà, je récupère la fée. Vous avez sauvé la fée de l'eau. D'accord. C'est cool. Alors, je peux partir. Un risque de chute du dortoir. Ah, pour prendre la nourriture, attends, très important ça. Pour nourrir mes fées. Ah, j'allais aller chercher pour rien, c'est en train de me dire. Non, quand même pas. Non, il est actif. Ouais, voilà. On peut utiliser la bouteille que quand on est dans la zone. Ok, je viens de comprendre. Ah, il faut du temps, Darkling, il faut du temps. Il se fait vieux. Et oui, c'est l'âge. J'ai tendance à oublier pas mal de choses de plus en plus. Ça craint. Ça craint.
Et si encore, le soldat du sphère a fini de déployer le sphère qui quittait le champ de... Le chasseur de fées s'apprête à fuir. C'est très bien, ça. Ça, il va me laisser tranquille. Alors, prenez le contrôle des forts protégés par les sphères. C'est pas ce que je suis en train de faire. Putain. Vite, en haut. Ah, évidemment, là, ça fait mal, mais j'ai plus de fées. J'ai plus de fées. On se calme, j'ai plus de fées. Voilà, faut que je me dépêche. Avant que je n'ai plus de vie. Voilà, j'ai un pot, là. Ah, allez, tiens. On va voir un petit peu ce qu'elle fait comme attaque au niveau de la magie. Il est où, le chef? Très bien. Et voilà le travail. Link est en grand danger. Allez l'aider. Mais pourquoi il m'a pas suivi depuis tout à l'heure? À moins que c'est l'autre Link. Allez, c'est l'autre Link. Vite! Link, j'accours! J'accours! C'est quelqu'un d'important en plus! Vite! Ah oui, il est entouré de rouge, Link! Non! Une partie de l'armée de Volga fait fuir Link! Bordel de bordel de bordel! Et alors Link, qu'est-ce qu'il fout? Qui s'y fout Link? Qu'est-ce qu'il fout Link là? Non mais regardez-moi ça quoi! Regardez-moi ça! Il est pas capable de se battre contre ça! Pourtant ils sont pas nombreux hein! Volga! Volga! À nous deux Volga! Attention parce que là je suis on fire! À genoux devant Médoli. Alors, qu'est-ce que tu dis ça, hein? Non. Le petit malin. Il s'est foutu derrière au moment où je faisais l'attaque. Mais c'est de la triche. Ouais. On y croit, on y croit. Voilà. Ça au moins je remplis ma jauge. Pas que... Là j'ai une jarre en face de moi, donc je vais pouvoir prendre me remplir la barre de jauge. Tranquillement. Et sûrement. Ah mince, il y avait ça. Bon, on va attendre qu'il... Voilà. Ah putain, c'est très court, hein. Petit malin, va. Ok. Lui, il n'arrête pas de spammer. Hein. Allez, quand tu veux. Ah! À chaque fois il est trop rapide. J'ai pas assez de magie évidemment. Tiens, prends ça. Voilà.
Ah, depuis tout à l'heure, je suis que niveau 10 quand même. C'est pas juste. Je suis pas content. Attends, j'ai tué 600 ennemis. C'est beaucoup. Ah! Il se déchaîne, il se déchaîne! Aïe aïe aïe! Aïe aïe aïe! Ah! Il y avait ça! Ah! J'ai fait apparaître sa jauge là! Aïe aïe! Qu'est-ce qui se passe? Sont galvanisés? Mon dieu! Ah, je sais, c'est un peu long. C'est un peu trop long, même. Et voilà, je suis étourdi, comme d'habitude. Allez, on se recule, on se recule. Je lui donne la fessée. Il n'ose pas le dire, mais je sais que ça lui plaît. Je sais que ça lui plaît, ça, hein. Coquin, va. Oh, tout va bien, j'ai l'impression que ça va mal. Non, l'ennemi n'a pas l'avantage, regarde. Regarde. Regarde sa barre de vie, comme c'est magnifique. Les valeurs de magie quittent temporairement le champ de bataille. Et Volga retourne se coucher. Et voilà. Et maintenant, je suis en paix avec mes cocottes. Ben voilà, nickel. Je suis en harmonie avec mes cocottes. C'est tellement beau. Elle est passée où, Medoli? Elle s'est envolée vers d'autres cieux. Bon, évidemment, j'ai eu un bébé, hein. Voilà, 2B. Aïe, 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 aïe. Ah, présentation de Tetra. Alors, qu'est-ce qu'on a débloqué, là? Oula, je vois qu'il y a un mur. 2300 ennemis dans les temps impartis. Bon, ça, je pense que je le ferai en off, hein, vu que c'est le genre de mission que j'ai déjà fait. Ah, là, je vais pouvoir utiliser la grue que j'ai débloqué en faisant cette mission pour l'exploration ici. Voilà. Quoique, il n'y a pas d'exploration requis, c'est bizarre. Ouais. D'accord. Bon, ben, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, enfin, j'espère toi, surtout Mika, ça t'a plu la vidéo. Et je vais te dire à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao tout le monde. Enfin, ciao Mika.